C'était Mélanie Strider sur Channel 09. À bientôt pour de nouvelles infos. Oh mon Dieu. Tom, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas moi. Bon, écoutez, on va trouver une solution dans la tranquillité et le silence. C'est horrible. Mais comment on va faire? C'est sûr, c'est qu'il faut cacher Sophie. Bah ouais, mais je vais où là? Enfin, je vais où? Enfin, je me cache où? Je sais pas moi, en tout cas pas dans ta chambre déjà, ni carrément dans la maison, hein. Ouais, moi enfin, je sais pas, je rentre chez moi et je dis des gros mensonges ou ils me trouveront pas et... Non, il vaut mieux que tu rentres chez toi et que tu racontes des mensonges. Oh, je suis un très mauvais menteur. Bah oui, mais écoutez, enfin, je sais pas, toi t'en penses quoi? Oui, il faut que tu rentres chez toi, que tu leur expliques que c'était pas toi, que t'es au courant de rien. Ok, même pas que j'ai vu la télé? Si, t'as vu les infos, mais t'as pas, enfin, c'est pas toi. Ok. Sinon, pour Sophie, je crois avoir la solution. C'est quoi? Tu l'emmènerais où? Comme tu le sais, Sophie, on n'est pas dans le même lycée. Bah oui, parce que toi, t'es sûrement dans un lycée de magie ou je sais pas trop quoi. Pas vraiment de magie, mais de monstres, dans un lycée de monstres, quoi. Les monstres? Chez les monstres, tu veux dire à monstres... À Monster High, pardon. Exactement, en fait, c'est ça, mon lycée. Et encore un truc qu'on m'avait pas dit. Enfin bref, tu veux que j'y fasse quoi à moi, à Monster High, pardon. Je pense que dorénavant, ce sera là-bas que tu vas devoir te scolariser. Quoi? Bah ouais, après comme... Attends. Je vais devoir quitter tous mes amis, y compris Tom, mon chéri, pour aller dans une autre école. Voilà. Mais maman, dis quelque chose, moi je veux pas quitter tous mes potes. Ben, à vrai dire, je suis d'accord avec... Quoi? Mais c'est pas possible, mais moi je veux pas quitter tout le monde, je veux pas quitter la maison, je veux rester là, moi. Écoute, Sophie, c'est un meilleur plan que tu partes. C'est vrai que vous montez tous un plan contre moi, et là, je veux pas partir. Sophie, c'est obligé que tu partes si tu veux survivre. Qui a dit que je voulais survivre, loin de vous? Nous pourrons venir chez toi pendant les vacances et... Toi, tu pourras faire pareil, enfin, quand t'auras des vacances. Je sais pas... Mais comment je vais faire sans toi, sans maman, sans... Comment je vais vivre si j'ai plus la maison? Je ne suis pas sûre que ma famille soit d'accord. Bon, à la base, Sophie, je ne voulais pas te le dire, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as en quelque sorte une demi-sœur. Une demi-sœur? Ouais. Et encore un secret. Je pensais ne jamais devoir t'en parler, mais bon, là... Et quel rapport avec le logement à Monster High? Pardon. Comme je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, je suis pas tout à fait humaine. En fait, je suis à moitié humaine, à moitié momie, voilà. Momie? Ok. Ouais, oui, j'ai eu une fille avec ton père, qui m'a quittée il y a longtemps, très longtemps, quand il a su que j'avais une fille, en fait. Il a dégagé à ce moment-là. Et j'en avais eu un autre avant. Oui, encore, quel rapport avec le logement à Monster High? J'en ai marre, ça me casse les cacahuètes. Bon, de toute franchise, j'ai eu une fille avec un mec qui était également une momie. Ah, laisse-moi deviner, elle va à l'école à Monster High. J'en ai marre! C'est tout à fait ça. Et je me demandais si tu voulais y aller. Eh ben j'ai pas le choix. Une momie et un zombie. Ah, parfait!
Ça va, c'est pas si terrible. C'est toi qui est pas si terrible. Mais ça, c'est terrible. Ok, je suis le seul à avoir rien pigé de ce qui vient de se passer. Ben non. Oh zut, je dois rentrer chez moi. Ouais, avant qu'ils se rendent compte que t'es pas chez toi, vite. Salut ma puce. J'espère à bientôt. Ouais, moi aussi. Au revoir madame. Au revoir Tom. Ciao Ambre. Ciao. Elle est comment cette demi-sœur? Eh bien, étrangement, elle avait exactement le même profil que toi avant que tu sois... comment dire? Devenue un zombie? Ouais, c'est ça. Je suis totalement à l'écart de la discussion. Ambre? Ah bah voilà, il suffisait de le dire. Oui. Eh ben vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu pourras m'emmener à Monster... Aïe. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Et en général, je me télétransporte. Tu pourras me télétransporter avec toi? Bien sûr, je peux télétransporter tout le monde avec moi. J'ai eu peur pendant un instant. On finit de manger et puis vous partez. Mais faut quand même que je fasse mes valises. C'est vrai. Tu sais quoi, après moi j'ai tout mon temps pour manger, donc je vais te les faire. Sérieusement? Mais oui, bien sûr. Oh merci, c'est trop sympa. Oh, mais de rien, voyons. Bon, allez manger. Okidoki. Allez, viens Ambre, dépêche-toi. Ok, j'arrive. Les jeunes, on ferait n'importe quoi pour eux. Bon. C'est vraiment délicieux. Oh ouais, j'avoue. Ta mère, elle cuisine trop bien. Et voilà, j'ai fini. Presque. Ah!